Yo les gens, c'est Lopok, j'espère que l'année 2022 commence très bien pour vous. De mon côté, ça va pas fort, regardez à quoi on joue aujourd'hui. Alors j'aimerais bien trouver des vrais niveaux, des bons niveaux, putain, Mario Maker, vas-y, là je tape dans les commentaires pour voir si j'en trouve. Alors je suis tombé sur le commentaire d'un certain Julien, salut Lopok, mon niveau Kaizo, Mario Maker 2. Vas-y, vas-y, avec un peu de chance, son niveau il est pas disponible. Tu sais, des fois ils mettent des niveaux mais le code il est... Enfin, ta gueule. Allez... Ok, putain. Ultra Kaizo Mario Maker 2, level extreme hard. En vrai, 1 sur 41 pour un niveau Kaizo, c'est élevé le taux de réussite, ça me fait pas trop peur. Je pense pas y arriver du premier coup, faut pas déconner, mais je pense que je vais y arriver quand même. Ok, c'est Mario World déjà. Hop, 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 hop. Oh putain, je vous jure, c'est first try ce que je viens de faire, d'accord? Ok. Attends, là j'ai compris. Ok, putain, je vous jure, la vie de ma mère, j'ai fait du first try. Non mais souvent je troll et tout, là je vous jure que c'est vrai. Attends. Ah non mais putain, on fait chier. On paraît que je vais crever, bah oui, mais évidemment. Ah non, je me suis bien débrouillé sur le premier try, en vrai, je suis assez fier de moi. Putain de jeu de con. Là je sais pas comment je peux passer. Ok, j'aurais dû... Ok, d'accord. Oh non, putain, je sais ce qu'il m'a demandé de faire là. Non, j'ai pas envie de faire ça, je sais très bien. Je sais très bien. Oh, j'ai réussi du premier coup. Let's go! First try! Enfin, deuxième. Putain! Oh, le suicide. Ouais, là, faut faire une toupie, c'est plus facile. Non, mais quoi? C'est vrai que c'est marrant, Mario Maker, quand même. Oh, putain. Oh, je suis mort, ouais. Non! Du coup, là, je saute comme ça, je re-saute comme ça, j'imagine. Ok. Ok, bon, ça paraît pas très compliqué. Ok, on tourne en arrière. Ok, 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 gros truc. C'est bon, c'est fini? Oh, les pics au-dessus, ils me font peur, j'avoue. Allez, je pense, tu prends 20 tries. On était à 41 tries quand j'ai commencé. 10, 15 tries, je sais pas. Attends, attends, je joue le record. Oh. Non ! Ok, ok, ok. Oh. Ok, allez, vas-y, mine-toi. Hop, 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 hop. Non ! Non ! Non ! Non ! Oh, fils de pute ! Mais comment c'est possible? J'ai réussi à first try ce truc. La première fois que j'ai fini le niveau, là j'y arrive plus. Ok, j'ai réussi enfin à repasser ici. Est-ce que j'ai fait en... C'était 32 secondes le record? J'en ai... Je sais pas. 29. En vrai, c'est possible de faire mieux, je m'arrête là, mais je peux gagner facilement 3 secondes, je pense. Non, en vrai, j'ai bien aimé son niveau. Bon, c'est pas le niveau qui révolutionne le gaming, mais vas-y, tu donnes un 15 pour commencer la bonne année. C'est un bon niveau dans son thème, en fait, je trouve. Ensuite, c'est pas un Kaizo, faut pas déconner, mais quelqu'un qui joue très bien au jeu, le first try, en fait. Il y a 78 tries total, ça veut dire que j'en ai fait 37. Allez, vas-y, on va changer de niveau, j'en ai déjà plein le cul. Alors, je suis tombé sur le commentaire d'un certain Lastico. Mario Maker, normalement, tu ne vas pas trop chier du sang. Le château Mascasse. 1 sur 97. Il y a moins de gens qui ont réussi que sur le niveau d'avant, quand même. 2 minutes 11. Oh putain, c'est long, 2 minutes 11. Ensuite, ça dépend, 2 minutes 11, pourquoi? Genre, quand t'es un nourrisson et que tu meurs au bout de 2 minutes 11, c'est pas fou, mais... T'es arrivé en ayant vaincu au moins 15 Goombas. Attends. Bon, j'ai pas trop parlé de l'année 2021, en vrai. Sur le niveau d'avant, c'était compliqué de se concentrer, en fait. J'étais vraiment à fond dans le level. 2021. Oh non, de la lave, putain, non! Drôle d'année encore, hein, un peu comme 2020. C'est... Oh, il a même pensé à mettre des portes pour reset les billballs, c'est bien. Bon, je... Il y a tout qui s'enchaîne dans ma tête, je suis désolé, j'arrive pas à parler. 2021, du coup, drôle d'année encore une fois. Je fais des vidéos, j'étais content. J'ai eu quelques projets de vidéos intéressants. J'aimerais bien avoir d'autres projets de vidéos comme le Nuzlocke que j'ai fait. Mais j'ai d'autres trucs qui vont arriver, je pense, j'ai d'autres idées. Pas avec des illustrations et tout, mais différentes, vous allez voir. Enfin, vous verrez dans l'année, j'ai d'autres projets qui arrivent. Okay. Oh putain, il est dur son putain de niveau, hein. Attends. Oh, j'ai eu tellement peur. Ah non, mais attends, c'est... Comment je fais, là? Eh, son niveau est pas mal. J'aime beaucoup son niveau, en vrai. Il est où, le... On... Ah non, oh, je suis mort. J'aurais dû appuyer sur le off en bas, là. Son niveau est pas mal. J'aime beaucoup pour le moment. Tout ce que je regrette, c'est que j'arrive pas à prendre le temps de travailler sur mon jeu vidéo que je développe depuis 5 ans. Enfin, on va dire que je travaille un petit peu dessus depuis quelques années. Ça fait longtemps, hein. Vraiment, c'est vraiment le même jeu que sur cette vidéo. Cette vidéo, je crois qu'elle va bientôt avoir 5 ans, hein, pour te dire. Bon, il y a eu beaucoup d'améliorations depuis, je suis content. Le jeu va dans une direction qui me plaît beaucoup, mais... Mais en fait, c'est compliqué de bosser partiellement sur un jeu comme ça, en fait. Genre, faudrait que je sois à plein temps dessus si je voudrais vraiment avancer. J'en ai marre de mourir, là. Et c'est pour ça qu'il faudrait que j'arrive à travailler avec des gens, des monteurs et tout, pour m'aider à faire des vidéos. Logiquement, les youtubeurs, ils ont des gens qui montent pour eux et tout, maintenant, tu sais. Enfin, ils ont plein de gens qui travaillent pour eux, ils ont raison. À voir comment ça se passe en 2022. Ça se trouve, je travaille avec personne, puis nique sa mère. Ah, il y a des champignons, let's go, putain, attends. Non, meurs pas. Meurs pas, Loïc. Y'a la qui monte encore, hein. C'est bon! Ah, y'a des boss! Non, mais attends, mais non! Non, y'a des boss de merde! Attends 2 secondes, je suis ultra concentré! Attends!
Oh putain. Non ! Oh, attends, il y a tellement un gros cul que quand il fait une charge au sol, il me jette des boules de feu, comment c'est possible ? Putain ! Ok, vas-y. Putain, mais il tue ses potes, mais let's go, quoi ! Hop, ok. Ok ! Oh putain, putain, c'est long, c'est long ! Ok, ah, j'ai plus de champignons, c'est chiant. Oh non, mais quel... Non ! Non, je déteste ça ! Me mets pas des portes comme ça, random, ou si on prend une des deux, je vais crever ! Allez, je prends la droite, vas-y, let's go ! Let's go, s'il te plaît ! Oh là là, yes, c'était la droite ! C'était la gauche. Parce que là, je suis retourné au début du niveau. Oh putain, putain, putain ! Putain! T'aurais dû juste me tuer en fait. Ah, c'est vrai qu'il faut que je tue 15 Goombas, hein, faut pas que j'oublie. Hein. Mec, t'étais bien, ton niveau, je l'aimais bien. Maintenant, je te déteste. C'est comme si tu commençais à faire une bonne copie de maths et tout. Genre un beau DM maison. Et à la fin, tu chies sur ta feuille dans une copie double là. Putain. Putain. Ok, c'est bon, t'es mort. Ah, merci d'avoir fait perdre 10 minutes de ma vie à retourner à son endroit de con. Allez, hein, porte gauche. Putain. Yoshi. Attends, attends. Non, mais je suis concentré. Non, non, j'ai oublié de compter. Oh non. Maintenant, là faut que je me dépêche parce que il y a de la putain de lave qui monte. Comment tu veux que je devine qu'il faut que je fasse ça? Sérieux? Putain, mais je savais pas qu'il fallait que je cours et que je saute du Yoshi Instant, quoi. Mais vous êtes trop con des fois, hein. Vous êtes trop con, mais si, vous êtes trop con. C'est pas réglo comparé à tout le reste de son niveau en fait, qui est facile. Ok, c'est bon, putain. Je me dépêche d'en faire quoi? Je sais pas. Mec, 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 mais explique-moi, je suis des trucs, je comprends pas. Oh non, mais je comprends pas, je comprends pas. Ils sont où les putains de 15 Goombas? Ils sont où les Goombas? On dit pas que j'ai fait tout ça pour pas finir son putain de niveau. Attends, 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 2 secondes. Ça se trouve, je peux peut-être trouver les Goombas maintenant. Non! T'es... Tu te fous de ma gueule? Le mec a fait ce niveau, il a un problème. Non mais si. 10. Ok, c'est bon. Let's go. Je devenais fou, je me dis, mais attends, j'avais pas vu de Goomba, mais évidemment que j'ai pas vu de Goomba. Putain, mais mec, t'es complètement fou. Non, mais je te troll un peu, mais je suis désolé, c'est vraiment pas très marrant comme truc à faire. D'attendre que les Lakitu jettent des Goombas pour valider la condition de victoire. J'avoue que c'est pas très marrant, et je pense même que me planter des aiguilles dans l'urètre, ça doit être plus sympa. Du bon, mais beaucoup d'idées de détraquer. Oui, c'est bien. Je suis personnellement convaincu que si tu demandes à un psychopathe de faire des niveaux Mario Maker, ça sera différent de ce qu'une personne normale ferait, en fait. Pourquoi ton niveau s'appelait le château Mascas, s'il te plaît? C'est parce que t'as fait un pixel art de Mascas à la fin. T'aurais pu faire aussi une croix gammée et appeler ton niveau le château nazi. Alors attends, je t'appelle Lisette mais tu me commandes pas, tu m'as juste donné tes codes, vas-y. C'est comme les cadeaux à Noël là, offerts par ta tante qui t'aime pas et il voulait que tes parents avortent. Ah mais on a tous eu une tante qui voulait que nos parents avortent. Hein. Énigme facile. Bon c'est un petit niveau. Il y a un commentaire, attends je vais regarder. C'est un enfant. Il faut se mettre dans la tête d'un enfant de 6 ans. Tuyau, attends, attends, pourquoi il y a ça? Je crois on va. Ok, il y a des poissons qui viennent d'exploser devant moi. Énigme facile, attends. Énigme facile! Ah, putain! Sérieux, il y avait une autre clé là? Bon, du coup, j'ai le choix entre 2 chemins. Vas-y, on va en haut. Ok. Non, il y avait un checkpoint! Pourquoi je fais ça? Hop, ok. Bon, je vais là-bas. Je sais pas. Non mais attends, 8 secondes, sérieux? Ok, ok. Ah mais le mec m'a éclaté, comment c'est possible? 8 secondes, 8 secondes. Ah y'a peut-être moyen de passer par en haut, non? Ah putain. Ok. Non. Ok, parfait, je pense que je peux pas faire mieux. Quoi? Ok. Ok, je peux pas faire mieux. Je peux vraiment pas faire mieux, c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Quoi? Depuis 20 minutes, j'essaye de battre leur corps à 1 centième de seconde, mais quoi? C'est vraiment possible? Est-ce que je suis bon là? Faut qu'on m'explique comment on peut faire mieux. Enfin, je maintiens le stick à droite en permanence. Let's go! Meilleur speedrun de ma vie. Bon, sinon le niveau était éclataxe, mais quand même pas mal. Salut le Poc, j'aimerais que tu fasses mon stage car j'ai pris pas mal de temps à le faire. Je te conseille de bien regarder la description. Oh non, faut lire. Je dis rien, je dis DIT évidemment. On va changer de stage, hein. Oh non, je voulais faire la vanne, mais en fait c'est chiant parce qu'il faut que j'en tape le code, putain. Je suis une bite en orthographe aussi, mais faites un effort, les mecs.
Soyez concentré à fond. Concentré, c'est pas ER, hein, c'est E, logiquement. Non mais si, c'est important, ta gueule. Concentré, là, il l'a écrit à l'infinitif, donc ER. Mais logiquement, ça se devrait écrire concentré E. Pour savoir, il y a un tips trop simple, c'est en gros, tu remplaces par un verbe du troisième groupe. Par exemple, abattre. Tu vas pas écrire soyez abattre. Soyez abattu, ça serait, tu vois. Si j'écris pas abattre avec l'infinitif, il faut pas que j'écrive concentré non plus avec l'infinitif, tu comprends? Du coup, concentré, c'est E. Soyez couvert, tu vas pas dire soyez couvrir. Après, moi, je fais des fautes, hein. Honnêtement, je sais que j'en fais, hein. J'en fais trop. Mais j'essaye de m'améliorer tous les jours, je vous jure. Du coup, je sais pas c'est quoi son niveau de con. Hein. Il a pris du temps à le faire, il a dit. Hein. Ok. Oh non, non, non. Ok. Oh non, sérieux. Ça manquait des pièces pour me dire quoi faire. Après, je me plains quand il y a des pièces, je me plains quand il y a pas de pièces. Bon, je suis un peu un gros casse-couille, quoi. Hop. Ok. Bon, facile pour le moment. On. Oh, sympa. J'aimerais pas mourir, par contre. Attends. Attends, attends. Loïc, concentre-toi. Stresse pas. Non, mais c'est trop stressant, putain. Ah, il fallait activer le bleu, mais comment tu voulais... Non. Non. Mais je pouvais pas, il fallait que j'active les trucs bleus, je savais pas. Ok. Oh là, j'ai trop peur, j'avais oublié qu'il y avait un tout. Non mais, attends, mais tu te fous de ma gueule. Mais mec, t'es sérieux? Mais t'es psychopathe, hein. Tu me proposes le chemin gauche et droite. Tu veux me faire passer un message sur la gauche politique, c'est ça? Là du coup, on va à droite, c'est bien, ouais, c'est le chemin, j'avais une chance sur deux de pas crever. C'est chiant quand c'est sujet au random comme ça, vous comprenez ou pas? Il y a des blocs là, les blocs random là, je suis sûr que je les prends, je suis mort. Quoique, ça se trouve, c'est la porte qui va me tuer. Non. Merci. Non! Non, mais quoi? Je suis une merde, je peux pas partir comme ça en fait. Ok. En vrai, j'ai pas mal rushé sur la fin là. Moi. À partir du moment où vous mettez une zone de random dans votre niveau, où j'ai littéralement une chance sur deux de crever, ça me saoule en fait. Hop. C'est japonais, c'est le symbole pour dire K et j'ai écrit deux fois, du coup, ça fait caca. Et... Je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Mario Maker, alors j'en fais beaucoup moins qu'avant évidemment, mais un coup de temps en temps c'est rigolo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si ça vous a plu. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt, et portez-vous bien!